Et salut à toutes et à toutes, c'est Kintaro. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du tournoi Intertester. Et oui, et bien si aujourd'hui on est le samedi 17 juillet, il est 14h et on va enfin savoir qui est le grand vainqueur, même si forcément il n'y a pas forcément de grand vainqueur durant ce tournoi. Mais voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez été 12 à participer, ça a été génial, vraiment un énorme merci à vous pour votre participation, d'avoir été là et d'avoir joué le jeu, surtout de jouer le jeu. Je sais et j'en ai conscience que le jeu n'est pas forcément un jeu très facile, même si c'est le plus simple de la série. Donc voilà, mais écoutez, il y a 12 participations, on a en plus rencontré des gens qui étaient super géniaux, comme Mr. Egg, comme Lightjack, comme Jack Slate, Sera Kikono, mais notamment Elira, Omega, Daichamp, Jerry Khan, Johnny John John, Brice TV et AG. Et franchement, je vous remercie énormément, les gars, aussi d'avoir participé. Voilà, je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de participants. Et franchement, vous avez vraiment bien joué le jeu. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, je vais récupérer vos gameplays et on va rigoler ensemble. Je vais faire un gros bêtisier de tout ça, et on va rigoler tous ensemble. Et à la fin, vous aurez vous aurez le récapitulatif et celui qui sera le premier, deuxième, second, et ainsi de suite. Et comme je dis durant ce bilan, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, il y a juste que de la bonne entente, de la bonne humeur, et c'est le principal. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite par le premier qui sera Brice TV. Voilà. On va voir la run de Brice TV, qui sera pas trop mal démerdé. Pourtant, il n'a jamais joué à un Castlevania, mais c'est pas trop mal démerdé. Mais écoutez, voici son extrait et je vous dis à tout de suite. Tous les 100 ans, les forces du bien commencent à décliner, tandis que celles de Dracula ne cessent de croître de très forte manière. Et chaque siècle, elle est encore plus grande. Ouh là là, c'est la merde. Ok. On dirait des contrôles à la Super Mario. Nous voici dans le gros du gros. Bon, je ne parierai pas du tout où je vais arriver dans le jeu. Tout simplement parce que je suis une grosse merdasse. Hop. Et bien sûr, ça sera en une seule vidéo. Et il n'y aura pas de montage. Parce que je m'en bats les couilles. Oh, de l'argent. Oh, shit. Bon, les débuts, c'est... J'allais dire, c'est facile, mais... Voilà. Bien évidemment, le karma me rattrape. Quoi? J'ai pas regardé. Et ensuite... Je sens que je vais finir premier, mais des derniers. Évidemment, on se bat avec notre fidèle fouet. Ça va de soi. Ah! Shit! Mais va te faire, chauve-souris. Je déteste les chauves-souris dans les jeux. C'est incroyable. Je vois la pire performance du jeu. Pardon? Mais... Je vais crever. Je suis mort. Mais sérieusement? Comment je peux passer ce niveau? Mais comment je peux passer ce niveau, ça? À l'aide. Oh là là. Je crois qu'il y en a qui vont bien se moquer. Je sens que je vais bien finir dans la vidéo de Kintaro. Parce que oui, il va faire une vidéo best-of de tout ça. Attends, en plus mon machin il fait que dalle en dégâts. Euh.
Bah voilà. Je suis nul. Eh ben, on peut féliciter On peut féliciter Brice pour sa prestation. Alors, il connaissait pas le jeu. C'est la première fois qu'il y jouait. Et bon, il a quand même été un peu loin. Et j'espère que je l'ai trollé comme il faut, on va dire. Mais en tout cas, au moment du montage, j'ai revisionné sa run et c'était vraiment, vraiment excellent. Il fallait juste qu'il apprenne à savoir que le fouet pouvait se lancer aussi en diagonale. Et ça, c'était pas mal et qu'il pouvait utiliser les objets secondaires. Maintenant, nous allons passer... à qui je vais faire passer en premier? Ben, tiens, Daichamp, qui a fait une belle petite prestation, mais je crois que c'est celui qui a été le moins loin de tout le monde. Et vous savez quoi? On va voir ça tout de suite après. On est sur Super Castlevania 4. Vous vous dites, mais Dai, pourquoi tu joues à ce jeu rétro? Aller le plus loin possible sans avoir le game over. Alors, moi qui... Non, ça commence déjà, je viens de perdre une vie. Et... on joue Simon Astier, donc... comme je vous dis, je n'ai jamais joué à Castlevania de ma vie. Putain de squelette qui balance son os. D'accord, j'ai compris. Faut que je saute sur la plateforme. Et donc du coup, je vais réussir à finir. Simplement, l'ami Kintaro a décidé de faire ce jeu-là. Moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien l'idée des tournois, donc j'en fais suffisamment sur la chaîne des tournois. Bon, bah c'est pas pour la série, je commence à être bloqué. J'aime bien l'idée des tournois dans la chaîne, donc... il y a une échelle là, c'est pas une échelle ça? Ou sinon c'est... qu'est-ce que je viens de... et voilà, je suis mort comme un abruti. Qu'est-ce que je viens de choper? Je sais pas ce que j'ai chopé. Alors du coup, simplement, ce Super Castlevania 4... ah oui, d'accord, quand je m'en vais assez loin, les ennemis réapparaissent. Merde. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est exactement comme truc. Et là, je suis encore mort. Je vais pas réussir à passer ce passage. Hein. Je suis très mauvais sur ce genre de jeu. Je peux le toucher là. Non. Et là, ok, le passage est fermé, mais en fait, je suis paumé quoi. J'ai perdu. D'accord, d'accord. J'ai perdu mes cœurs. En fait, c'est les armes. C'est les armes secondaires, les cœurs. C'est avec triangle. Mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Et je suis mort. Pourquoi il refuse de monter cet escalier? Parce que c'est pas le bon. Et bah je suis mort. Et game over. Non bah, ça fera une petite vidéo. Kintaro, ça fera une petite vidéo. Par contre, j'aimerais bien couper le son. Encore un grand grand merci à Dai pour sa participation. Bon, il a pas fini très 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 loin. Bon, en même temps, voilà, quand tu t'es pas entraîné et que tu connais pas le jeu, c'est très 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 compliqué d'avoir une bonne performance. J'aurais peut-être dû vous dire, peut-être de vous entraîner, non? Ouais, c'est ce que j'aurais peut-être dû vous dire. Alors, le prochain qui sera une prochaine, ce sera Eralia GTV, qui elle aussi, enfin je crois qu'elle connaissait le jeu d'avant, mais elle s'est pas entraînée, et puis alors je pense qu'elle a totalement maudit durant ce tournoi, en me disant qu'elle avait beaucoup de mal, mais elle a quand même fait une belle prestation. Je vous laisse tout de suite avec Eralia. Ouh, que ça fait peur, agru-gru, et c'est parti pour Castlevania 4. Ouais, allez, petite vidéo là sur ma chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et on y va sur Castlevania 4, sur Super NES. Là, voilà. Donc, dites-vous bien, mettez-vous en tête que j'ai 0 skill à Castlevania 4. Que j'ai 0 skill tout court, de manière générale.
Donc ça va être rigolo, hein. Dans tout incarner un personnage qui veut s'attaquer contre Dracula. Ça, je récupère, j'ai récupéré de l'énergie. On va renommer déjà Castlevania et. Et j'ai perdu des sous-sous en plus. Mister Kintaro, je te déteste. Je te déteste d'avoir lancé ce tournoi Intertester. Franchement, je vais pas aller loin. Hein. Ah, moi, je le sais, je le sens que je vais pas aller loin dans ce jeu. Ça sert à quoi, ça? Faut que je m'accroche dessus? Youhou! Ben, what the fuck? Je savais que ça allait failer dès le départ. Je le sens, je vais pas faire long feu. Hein. Ah, moi je vous le dis, hein, je veux vraiment pas aller de loin. Fuck you. Mais t'as. On va pas le rendre vulgaire ce live. Hein. Non. On se concentre et on se jette à l'eau. Oh. Oh. Viens là, voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Mais sérieux. Sérieux, je vais pas failer à ce niveau-là, quoi. Attends, on est qu'au début du jeu. Eh bah putain, c'est pas passé loin. Bon, on avance, c'est déjà bien. Hé hey putain, il y en a un en haut là, putain, si. Hé hey allez, vas-y, tombe. Têtes de cheval volante, quoi. Des têtes de cheval volante. Oh, bah, mais tu t'es fait ? Non, mais c'est sérieux, ça ? Non, mais... Non, je suis pas d'accord. Mais saute ! Mais j'appuie sur le bouton ! Bon, on est déjà au game over, hein. Je l'avais dit, dès le départ, je l'avais dit quand il m'a dit qu'il faisait un test, qu'il faisait un tournoi Intertester. Je lui ai dit, tu verras, moi, ma vidéo, elle va pas durer plus de 2 minutes. Et ça a été le cas. Je l'avais dit dès le départ que je vais failer dès le départ. Je suis pas doué, moi, pour Castlevania. Pas du tout. Qui sait, ça se trouve, après, je le ferai en live sur ma chaîne Twitch, hein, on ira peut-être un peu plus loin. Mais voilà, on a atteint le game over, on va s'arrêter là. Puis c'est tout. Allez, j'ai hâte de voir les résultats en tout cas. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous les gars. Quelle belle performance d'Elia. Qui en plus de ça, quand j'ai commencé à faire le montage et à prendre les bestos de son run, et ben j'étais mort de rire. Mort de rire. Bon écoute, t'as pas de skill, mais t'as quand même fait une belle performance, en tout cas bravo. Ben écoutez, on va commencer avec Mr Egg, quelqu'un que j'ai connu grâce à ce tournoi, un mec vraiment génial, un super youtubeur qui fait vraiment de super vidéos, que ce soit test, critique, et qui a réussi à finir le jeu après lui de son côté. Et bien écoutez, je vais m'amuser un petit peu et je vous laisse avec son best-of. A tout. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo assez particulière, ça sera pas une vidéo critique. Aujourd'hui, j'ai décidé de participer à un concours Intertester organisé par Monsieur Kintaro, un youtubeur que je connaissais pas,
et que j'ai connu par l'intermédiaire de mon ami Lightjack. Et donc je me suis dit ça serait vraiment une très bonne idée de participer à ce genre de concours. Et on va se lancer dans cette aventure. Donc nous incarnons un certain Belmont avec son fouet légendaire, tueur de vampires. Et donc je vais essayer vraiment d'aller le plus loin possible dans cette vidéo. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme arme secondaire? La hache, ok, bon, elle est pas terrible, mais bon. Moi, je préfère plutôt le boomerang ou la croix, si vous voulez. Bon, je vais pas récupérer le couteau. Quoique, ah non, 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 ah, zut. Ah, il faut savoir que le jeu est plutôt difficile. Hein. Donc, pour un jeu de l'époque, c'est vraiment un jeu difficile. Oh là. Vous avez vu les dégâts qu'il me fait, le squelette, là? Et d'ailleurs, tous les ennemis, hein, vraiment, vous allez subir énormément de dégâts. Oh non, l'eau bénite. C'est pas le moment, non! Oh là, ces espèces d'algues, là, ces espèces de salades dans les plafonds, je les ai oubliées. Allez, on va viser la tête. Très bien. Encore une fois, parfait. S'il s'approche, je vais... Voilà, comme ça. Et là, maintenant... Faut le bourriner, et normalement ça devrait aller. Et voilà le travail. Et en plus, il m'a pas fait de dégâts, donc c'est le perfect. Bah nickel, on a nos 4 points de vie. Bon, pour l'instant, ça va. Ceux-là, ils font vraiment mal. Oh, les araignées à chaque fois. Et ben voilà, les zombies qui me tiennent le pied. Alors, est-ce que l'araignée me poursuit? Ah oui, il me poursuit en plus. Alors la hache, elle peut être vraiment très utile contre les ennemis qui sont en hauteur, en fait. Oh la vache. Mais... Oh! Pff, énervant, mais c'est incroyable. Alors ces oiseaux-là, ils sont hyper chiants. Mais en fait, il faut les détruire quand vous les apercevez. Quand ils apparaissent à l'écran, en fait, il faut appuyer directement. Oh non! Pas de soucis. Alors, il y a vraiment des pièges fourbes dans Castlevania. Oh, le boss! Bah, écoutez, on va lancer directement notre arme secondaire. Voilà. Vous voyez combien ça fait de dégâts? C'est énorme, hein? Voilà. En plus, elle m'a pas fait énormément de dégâts. Eh ben voilà. Ah, en plus, j'ai récupéré 5 vies. Oh, j'ai pas vu. J'ai pas vu combien il fallait de points de bonus. Là, c'est une amélioration, je crois, ce qu'on vient de récupérer. Les pics. Très attention. Oh là là. Parfois, je comprends pas, en fait. Hein. Il y a des ennemis qu'on peut tuer, comme les chauves-souris, par exemple. On peut tuer en un seul coup. Par contre, il y a d'autres chauves-souris, donc c'est le même type d'ennemis, qu'on peut pas tuer avec un seul coup. Donc ça, parfois, c'est un petit peu incompréhensible. Les développeurs adorent les salades, apparemment. Ils les font pop partout dans les niveaux. Évidemment. Évidemment. Ah là là, y a rien de pire, franchement, de perdre des points de vie comme ça, bêtement. Ah, bah voilà, le cauchemar commence maintenant. Ah bah voilà, évidemment, les hommes poiscailles. On va pas leur laisser une minute de répit. Parce que eux ne vont pas vraiment nous faire de cadeaux. Qui font leur apparition maintenant. Et il y a aussi les dragons squelettes, qui sont infernales, tout simplement, mais qui donnent beaucoup de cœur, en fait. Hein. Ils donnent énormément de cœur. Vite, 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 vite. Parce que les jets, là, qui nous lancent, ça va être... Oh la vache, vite! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il n'arrive pas à atteindre à cause du plafond. Il se heurte la tête... honnêtement, j'ai pas cru que j'allais arriver comme ça du premier coup. Ah, il faut faire attention, vous avez vu? Là, si j'ai atteint... Oh la vache. Là, si j'ai atteint l'extrémité de l'escalier quand je me suis fait heurter par le squelette, eh bien, j'aurais tombé dans le trou et j'aurais perdu une vie. Alors ici, par contre, là... Là, j'aurais perdu! Et ça vire à la catastrophe, évidemment. Wouhou! Et voilà. Hein. Oh là là là, j'ai perdu 2 vies pour rien. Oh,
C'est complètement dingue. Peut-être si je vais atteindre 50 000, je vais obtenir une vie supplémentaire, je sais pas. Évidemment, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, voilà, 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 voilà. Oh là là, mais ils le font exprès en fait, hein. Nickel. Oh le boss, oh merde, j'ai pas assez de points de vie et je pense que là je vais morfler là. Très bien. Cette espèce de con, ça lui fait rien du tout. Bon, je pense qu'on va se battre à la loyale. Il va me faire tomber. Il va me faire tomber. Et voilà le travail. Oh là là. Bon, le mieux c'est de se placer ici. Et voilà, ça sera un coup de chance, hein, franchement, si j'y arrive. Mais au moins, on se sera quitté sur un combat de boss. J'ai vraiment de la chance si j'arrive à le battre. J'ai pas d'arme secondaire. Allez. Oh, parfait. Oh la vache, franchement, j'ai eu chaud. Ouh. Ok, super. Bon. Bah au moins, on aura atteint le quatrième niveau. Ça, c'est clair. Je suis assez fier quand même. Je suis assez fier. Parfait. Ah, ça c'est encore les plateformes. Oh la vache, c'est qui lui? Il surgit du mur. Et on va essayer de monter. Alors là on est dans une espèce de tour. Alors, je sais pas si c'est la tour d'horloge, hein, je m'en souviens plus. Évidemment. Ok. Mais comment tu peux deviner en fait qu'il va surgir du mur là, l'autre ennemi là? Celui-là aussi en plus. Ah bah voilà! Et voilà, c'est fini! Voilà, voilà. Ah bah j'ai senti que ça allait pas durer cette histoire. Hein. Bon bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que mon parcours est assez respectable, on va dire. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Encore une fois, désolé pour la petite coupure du plantage, en fait, de mon émulateur. Je suis désolé. Mais voilà, au moins, j'aurai atteint le quatrième niveau. Voilà. Et ce fut vraiment un plaisir, monsieur Kintaro. Ce fut un plaisir, ce petit concours assez sympa. Et donc, c'est ma première expérience. Et j'espère que je m'en suis sorti plutôt bien. Voilà. Bon, les amis, nous, évidemment, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos critiques. Évidemment, on va reprendre les vidéos critiques sur la chaîne. Et puis voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. Et si ça vous plaît, bah, je participerai évidemment à d'autres concours et d'autres défis. Voilà. Allez, je vous laisse. Ça fait déjà 30 minutes. Donc, portez-vous bien, les amis. À très bientôt. Et salut. Excellente performance vraiment de Mr. Egg, franchement qui a été quand même assez loin, hein, franchement. Il nous a fait vraiment une très 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 belle performance. Au début là, du tournoi, j'ai cru quand même qu'à un moment donné, c'était lui qui allait gagner. Sans compter sur une certaine personne, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bah merci beaucoup Mr. Egg pour ta participation, il était un mec en dehors, vraiment, allez suivre sa chaîne, il fait vraiment de super super vidéos et tout. Et maintenant on va passer à Boss Giganto, c'est tout de suite. Castlevania 4. Bon, je sens que ça va être comique. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer sur un jeu comme ça? Allez. Allez, viens là. T'inquiète, ça va bien se passer, mec. Allez, on entre moins dans le château, tu dois ça gagner. Bon, maintenant tu attends tranquille. Pourquoi j'ai une mauvaise impression pour le coup là? Ah,
ça vaut. C'était arrivé au boss. C'était. Donc c'est voilà. Voilà donc c'était ma participation pour le tournoi Intertester pour de Mr. Kentaro Kaz. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu et bye. Ah, sacré boss, toi qui es vachement sadique, quand tu viens sur mes lives ou sur mes vidéos en pensant à des choses assez sadiques pour que je galère, eh ben c'est toi qui as galéré. Non, en tout cas, très 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 belle run de boss que j'ai vraiment vraiment adoré, que j'ai vraiment beaucoup aimé à troller, quelqu'un de super sympa, franchement, allez voir sa chaîne, c'est vraiment quelqu'un de cool. Qu'est-ce qui manque? Qui c'est qui nous reste maintenant? Eh bien, on va passer à Jack Slate. Alors, Jack Slate, qui est un YouTuber qui fait énormément de tests sur les jeux vidéo qui sont vraiment très, très intéressantes. Vraiment quelqu'un de super sympa. Mais je vais vous laisser avec sa run. Salut à tous, c'est Jack. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Hein. C'est logique, hein. On est là pour faire des vidéos aussi, à un moment. Donc, on va jouer à Super Castlevania 4. Alors, c'est une vidéo tournoi qui est organisée par Monsieur Kintaro. Qui fait des vidéos, hein, évidemment, sur YouTube, et qui voulait reprendre un peu l'idée de Vince, qui faisait des tournois dans le temps. Vous savez bien, j'y ai déjà participé à plusieurs. Et donc là, c'est sur Super Castle 4, donc ça reprend le même concept. Hein, tout le monde est bienvenu à participer, si vous avez une chaîne YouTube. Le concept, c'est d'aller le plus loin possible avec un crédit, quoi, tout simplement. Et puis, un crédit, voilà, d'aller jusqu'au game over, et puis d'aller le plus loin possible, voilà. Et de commenter votre vidéo, voilà. C'est le seul, les seules contraintes, qui nous défoncent. Alors, vous avez votre santé, alors en dessous, il y a la santé de l'ennemi, mais en fait, c'est la santé du boss final, du boss du niveau, quoi. Et donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Oh putain, une tête de cheval de merde. qui était ressorti sur Wii U, j'avais pris. Là, on se démerde bien. Alors, vous voyez, les niveaux sont longs quand même. Je crois que c'est le cheval, là. Il me semble. Oui, il me semble. C'est l'autre con sur son cheval. Allez, hop. Donc, vous voyez, hop, voilà l'énergie du boss. Donc, c'est vraiment le cheval. En fait, c'est même pas l'autre qu'il faut niquer. Bon, après, c'est facile. Hein. Si vous restez là. Allez, voilà. Ok, je me rappelais même plus qu'il descendait de son cheval à un moment, l'autre con. Voilà, on va là. Vous voyez, hop, ça descend, mais. Ok, de toute façon t'es mort mec, t'es mort. Voilà, premier niveau terminé, je suis trop ouf. Ah, je sais pas si je suis trop ouf, mais j'essaie d'être un ouf. Voilà, vous prenez votre petite sphère. Vous avez du temps aussi. Je sais plus s'il y a moyen de reprendre les vies. Le score. Je sais plus. C'est une décision qu'on va faire. C'est encore je l'ai pas fait. Okay. Bon, par contre c'est vrai que les boss sont pas violents. Ça c'est bien. Et du coup après ça me rappelle du temps de montage. C'est pour ça que je le remercie vraiment de faire ça et. Non, faut pas déconner quand même. Ah bah oui, mais. Ah ouais, t'as pas vu ça. D'accord, mais là, c'est tu perds ta vie, mais direct. Voilà, c'est Nif. C'est pas ni fait ni à faire, c'est Nif. Ah, par contre, ça, c'est pas Nif. Ça, c'était ni fait ni à faire. Putain, d'accord, ouais, c'est. Ça devient quand même très tendu, hein. Foire d'œil. Qui me baisse deux fois, pourquoi pas trois. Voilà, tu dégages. Oh, ça, il n'y a pas vie pour autant. Hein. Putain, il y avait vie là. Wow. Je suis dégoûté. Ok, deux vies. Ah non, même pas, en fait, je vous dis de la merde, on revient quand même avant avec les hommes poissons. Putain, c'est chiant. Non, attendez, je sais pas. Je vais essayer un truc. Mais je crois pas que c'est... Non, je pense pas. Bon là, on a un problème. Hein. Et de taille. Mais non, il n'y a pas de problème. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir une vie. Lui, je vais le défoncer parce qu'il va me saouler. Voilà. On a bien fait un gaffe à tout ça. Ah non! Putain de merde, j'ai pas vu que le machin tombait. Oh merde. Bon, bah écoutez. Tant pis. On va s'arrêter par ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura tout dans la description pour participer à la vidéo de Kintaro. Et puis, bah, merci à toi, Kintaro, d'avoir proposé ce tournoi. Je trouve ça vraiment sympa.
Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, bon vent à tous. Très très bonne prestation de Jack Slade, c'était vraiment vraiment énorme. Quelqu'un de vraiment super sympa. Comme je dis, j'ai commencé à suivre ses vidéos et surtout ses vidéos tests et c'est vraiment quelqu'un de super. Et il nous a fait vraiment une très 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 belle prestation et j'espère que je l'ai trollé comme il se doit. Allez, on va commencer par la deuxième fille du concours puisqu'il y avait Erlia. Mais maintenant on va commencer par Elira. Elira aussi qui... Alors, il faut l'applaudir. Il faut sincèrement l'applaudir puisqu'elle a joué avec... Elle a joué à Super Castlevania 4, pardon, avec le clavier. Elle y a joué au clavier et elle a quand même été assez loin. Donc il faut vraiment... c'est une des prestations, je pense, les plus courageuses que j'ai eues. Et vraiment un gros GG à elle d'y être arrivée comme ça. Donc je vous dis à tout de suite et je vous laisse avec la prestation de Elira. Donc, je vais reprendre. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Super Castlevania 4. Ceci est ma vidéo participation au tournoi Intertester de Monsieur Kintaro 15. Donc, c'est Super Castlevania 4 qui est sur SNES. Apparemment, c'est un jeu accessible. On verra. Je n'ai pas dépassé le monde 2, même malgré mes entraînements. Donc, chaque fois que je vais utiliser mon arme, il va avoir ce message Rewind is disabled. Bref, j'ai pas un bon accent anglais, je suis désolée si je viens de vous écorcher les oreilles. Mais voilà, ce petit mot va apparaître dès que j'utilise le bouton R. C'est normal, visiblement. Ouais, il y a du problème. Voilà. Alors, j'aime pas ce genre de message parce que je suis nulle en jeu de plateforme. Non, Zelda, je suis pas un jeu de plateforme, je galère dès qu'il y a des plateformes. C'est incroyable. Ah, cette arme elle est bien pour tuer les choux, là, les têtes de choux qui font un peu peur quand même quand ils se réveillent. Je tombe dessus là. Flashback de Princesse Mononoke. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me laisse mon arme. Oula! Ok, je l'ai eu. J'ai réussi. Avec plus de vie. Wow. Je me surprends. Est-ce que ça va me régénérer? Allez, j'y arrive pas. Pas moyen de courir ou je sais pas quoi, mais... De l'élan. Oh, j'ai réussi! Pas trop tôt. Oh non, ils sont revenus. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme bêtise? Ok. Encore recaler. Oh, non, j'ai pris le coup. Voilà. Du poulet. Parfait. J'en demande depuis tout à l'heure. Ah non, c'est méchant. Ah oui, c'est méchant. Ah, j'ai été tué par une grenouille. Oh non, elle m'a fait tomber. Oh, c'était un coup à ça, madame la grenouille, hein. Bon, je vais prendre... J'ai bien mon 2-2, là. Non. Je vais pas mourir comme ça. Pas à cause d'un squelette. Quoi? Oh non, je vais mourir en boss. Ah ben, j'ai mouru au boss. Il reste de 1 de vie. Bon, tant pis, j'en suis à combien de vidéos? J'en suis à peine à 20 minutes. Bon, bah, je m'y attendais, mais je suis allée plus loin que prévu. Je pensais que j'allais mourir au premier monde. Du coup... Bah...
je vais m'arrêter là. Donc, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. On verra. Voilà, là. À plus. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Vraiment bravo à Elira pour sa performance et je tiens encore à le préciser, elle est au clavier. Elle joue au clavier et ça c'est vraiment un truc de ouf, franchement. Elle s'est vraiment bien débrouillée et ça je pense qu'on peut l'applaudir comme il se doit. Maintenant, le prochain que je vais troller, il reste Lightjack, il reste Serac et Kono, il reste Eiji. Et bien je crois qu'on va troller Lightjack qui a fait aussi une très bonne performance, quelqu'un de super gentil, super cool aussi. Qui est vraiment une chaîne vraiment excellente, je vous invite vraiment à le voir. Et bien écoutez, vous savez quoi, on va le troller. Allez à toutes. Eh bien, bonjour à tous, ici Lightjack pour un nouveau tournoi organisé pas par Vince League du 59 mais par Mr. Kintaro 15 pour rendre hommage au concept qu'il a pu établir. Et c'est un grand honneur de pouvoir y participer, bah, c'est vraiment un petit plaisir. Et le but sera très simple, sera d'aller le plus loin possible hein, sans avoir le game over. Alors bien entendu c'est un petit tournoi sans prise de tête, détente et à la découverte du titre et la renaissance de Dracula. Avec une introduction au top. Allez, c'est parti. Et on va aller au fur et à mesure. Ok. 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 Ok, le cheval dans la gueule. Oula. Ok. Ça, je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire. Ça m'apprendra. Allez, bim. On spam. Et un petit jingle sur Dam Dam et John John. Peut-être je reprendrai la hache par la suite. Des fois c'est important de diversifier les armes. Ok. Voilà, il m'a fait un coup de bidon. Alors, on va passer. Ah, vu que j'ai l'item 2. Est-ce que c'est plus intéressant? Bah, je pense que oui, vu que. Si on a l'item 2. Ah, une team moonbreak. Bah, n'empêche, c'est quand même marrant ce moment. Ils ont pensé à Michael Jackson quand même. Faut faire quand même, hein, dans un Castlevania, faire un moonwalk. Ok. Bon, ça c'est fait. Jolie pause. Allez, un petit grattal d'oreille. Ok.
Et repartez comme des chocs à pic. Un petit peu bourriné. Hein. J'ai un petit peu bourriné, mais. Normalement, il y a un safe point. Enfin, un coin sûr. Sur les plateformes qui montent et qui descendent. Mais. C'est pas vrai! Non. Ok. Oh mais non. Mais quel mauvais. La hitbox des fois elle est pas évidente hein. Enfin la hitbox. Faut vraiment que je fasse attention à ça. C'est plutôt moi de mon côté hein. Non. Ça c'est dégueulasse. Le squelette là qui est venu voir moi. là là. Ça je l'ai vu dans un live de ce cher Jerrican. Donc merci de l'astuce. Allez. Ah. Voilà, t'es coincé, hein. Allez. Séparation. Ok. Bim. Non. Ok. Casser les couilles. Cette pause. Ah, c'est ça, l'épopée de l'orgasme là.
Non. Ah non, mais c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Là, je me retourne avec Frankenstein, là. Est-ce que... Non, y'a rien. Bravo. Oui, il m'en reste un. Non mais c'est trop, c'est un orgasme là. Voilà. J'ai toujours rêvé d'arriver avec cette musique. Franchement, je suis, comment vous dire, très content en fait. Hein. Même si je risque de galérer là, parce que là. On rigole plus. Magnifique ce thème. Franchement, si je perds là, je suis très content quoi. Ah, j'ai cru qu'on pouvait monter. Bon bah tant pis. Magnifique. Ok, mais je comprends pas. Ah, d'accord. Bon, je suis tombé comme une merde. Bon, en tout cas, je te remercie, Kintaro. Je vais faire un petit speech. Vraiment, d'avoir organisé ce petit tournoi. En tout cas, je pense que t'as pu voir. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à parcourir les différents niveaux de Castlevania. Et ce qui est sûr, c'est que je compte un jour le finir de mon côté. Qui sera une très bonne revanche. Une petite dédicace à Vince League et John John. Bien entendu, pour leur personnalité et leur bonne humeur. Et bien entendu, à tous mes collègues vidéastes qui se reconnaîtront, qui regardent les vidéos, les commentaires, enfin le tout. Et puis franchement, super Castlevania. Je vous le recommande vivement. C'est vraiment un jeu immersif. Comment vous dire, c'est vraiment un périple super ardu. Comment vous dire, c'est vraiment chaque stage, c'est vraiment magnifique à parcourir. C'est une expérience authentique à faire manette en main et à persévérer pour avoir la fin du jeu. Donc bien entendu, moi c'était un petit peu près mon quatrième, si j'avais fait 3 runs d'entraînement hein, pour pouvoir bien assimiler le gameplay, c'était ma quatrième run. Et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo défi vous a plu. Merci pour ce tournoi et je vous dis à la prochaine et à tout bientôt. Alors très 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 bonne performance de la Jack qui a été jusqu'à la tour de l'horloge si je ne me trompe pas avec la chanson Goody Tears. Vraiment quelqu'un de vraiment sympathique et franchement putain t'as vraiment bien géré. C'est dommage que t'aies pas pu passer cette tour de l'horloge, je suis sûr que t'aurais été presque arrivé à Dracula. En tout cas quelqu'un de vraiment sympa ce la Jack, vraiment un gars énorme qui a fait souvent des acromes je crois Super Mario que j'ai suivi un peu et que j'ai vraiment bien aimé sa façon de commenter tout ça. Quelqu'un de super simple, de super gentil, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. On va commencer par un petit Belge que j'apprécie beaucoup, qui est, je pense, mon fils spirituel du fail. Et c'est AGSF.
Lui aussi qui découvre le jeu et tout. J'attendais vraiment sa participation avec impatience. Je pense que je vais le troller comme il se doit. Alors je vous laisse avec la run de AGSF. Là, ça me paraît bien. Ça me paraît bon, franchement. Et donc, hello viewers, c'est AGSF, j'espère que ça vous allez bien. Écoutez-moi, je suis au top aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale dans le cadre du tournoi Intercessor de Kintaro. Alors, l'intro, je dois l'avouer, elle est un peu faite à l'arrache parce que j'ai dû installer un émulateur NES de dernière minute. Et mon dieu, c'est quoi cet accueil? Et comme je vous le dis, cette vidéo, ce n'est pas dans le cadre d'un gameplay particulier, enfin, d'un gameplay anodin ou d'un let's play, c'est plutôt particulier dans le cadre du tournoi Intercessor de Kintaro. La chaîne sera en description, je tiens à le préciser, je crois que je le mettrai même en titre, hein, tournoi Intercessor, machin. Voilà, donc le principe est de jouer à un jeu, et bien jusqu'au game over. Voilà, donc... tout simplement faire tester un jeu. Et franchement là on va dire que je suis servi. Avec oh, c'est une chauve-souris. Ok. Alors je crois que les contrôles vont vachement m'aider, hein. Évidemment je dis ça en plaisantant. Ok, le A servait bel et bien à l'époque pour sauter, donc ça n'a pas changé. J'ai toujours pas de game over. Ah, c'est un système de vie. Ah, mais ouais, bah oui, je suis bête. Non, mais tout est comme Mario, en fait. Mais les thèmes sont bien. Alors il me semble que c'est ça, on a 5 vies. Et au bout des 5 vies, c'est le game over. C'est ça? Ça se trouve, je peux pas. Je suis décédé alors. Ah ouais, non, j'ai regardé, j'ai checké. Je suis pas encore au game over. Mais si je meurs encore une fois, je suis au game over. Au moins, j'ai respecté la règle, hein. On va essayer de tenir plus longtemps que Brice. Ok, bah c'était rapide. En tout cas, j'ai fait le tournoi Intertester. J'ai tenu moins longtemps que Brice, j'y crois pas. Oh là là, en tout cas, c'était sympathique. Mais j'ai trouvé en tout cas le jeu assez sympa, franchement. Je le trouve hyper sympa, j'étais hyper concentré parce qu'il y avait pas mal de choses que... Pas mal d'infos en plein comme ça que j'ai dû amasser parce que je connais pas du tout la licence. Je saurais pas même vous dire quand elle est sortie. On va checker ça de suite. Alors, je ne connaissais pas du tout cette licence avant de faire ce test. C'est aussi ça qui m'a intéressé. Et franchement, il a l'air vraiment sympa. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu essayer. Par exemple, je sais que les espèces de petits cercles là, je sais que c'est pour se balancer, je pense. J'ai pas pu essayer ça, j'aurais dû. Je crois que ça m'a coûté la vie d'ailleurs. Mais sinon voilà, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. Je suis content d'avoir fait ce petit test, même s'il n'a pas duré longtemps du tout, parce que je suis nul à ce jeu. Contrairement peut-être à Kintaro qui est plus expert. Et je vous remercie d'avoir visionné ce test jusqu'au bout. Si ça vous a plu, jetez ça, pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Activez la cloche, afin de notifier la moindre activité sur la chaîne. Et laissez votre commentaire, qu'il soit positif ou négatif, tant qu'il est constructif. C'est le principal. Ah là 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 là, sacré IG. Sacré personnage particulier. Bon. Allez, c'est comme Brice, c'est comme pas mal de personnes, comme Dai et Boss.
Il découvrait le jeu, il découvrait un peu les mécaniques de gameplay, tout ça. C'est ça qu'il n'a pas été bien loin. Son objectif était de dépasser Brice, il n'y est pas arrivé. En tout cas, il a fait une sacrée run. Alors, sur le petit AJSF, il fait de très 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 bons let's play. En ce moment, il fait un let's play sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Il m'a fait redécouvrir la série des Batman Arkham. Il fait aussi un let's play sur Bioshock, le premier. Et je crois sur Inazuma Eleven, je sais plus quoi. Mais vraiment un très très bon let's player. Un mec vraiment à suivre. Et c'est quelqu'un de... C'est un amour de Belge, quoi. Alors ensuite, on va commencer par Serac et Kono. Qui ont participé au tournoi grâce à Daichan qui leur en a parlé. Un couple vraiment 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 sympa que j'ai découvert via leur stream sur Twitch. Ils sont vraiment sympathiques et tout. Serac s'entraînait par rapport au tournoi Intertester. Et finalement il est allé assez loin, donc je vous laisse avec sa run. A toutes. Là-bas c'est le dernier live. Alors, je précise que je n'ai absolument pas touché au jeu depuis vendredi. J'ai pas du tout touché. J'ai même pas joué à des jeux de plateforme d'ailleurs. C'est histoire de dire non, j'ai pas joué à Castlevania mais j'ai joué à Mario. Non, j'ai absolument pas touché à des jeux de plateforme. On va voir ce que ça donne. Eh, j'ai pas voulu clipper, hein. Alors en fait, les prédictions, c'est est-ce qu'on va être un Tenshinhan, c'est-à-dire faire ce que je fais là, c'est-à-dire mourir. Enfin, faire ce que j'ai fait vendredi, c'est-à-dire jouer comme de la merde alors que je m'entraînais. Ou est-ce qu'on va être un Son Gohan, c'est-à-dire qu'on s'entraîne pas pendant 7 ans et pourtant ça nous empêche pas d'être le plus fort de l'univers. L'orbe avec mon front. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ces deux dernières semaines ont été les meilleures en termes de chiffres qu'on ait fait sur Twitch. Et c'est en partie grâce à nos nouveaux venus qui viennent souvent et on est ravis de les avoir. Merci à vous. Bonjour. Enfin, je t'arrive pour gagner. J'essaie de faire le clip en fait. Non. Bon, l'échauffement est terminé. T'es prêt? Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recommander. Hello, salut tout le monde. Alors, c'est Johnny John. Alors, ça fait un sacré moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors, vous m'excuserez. Hein. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour participer au tournoi intertester de Monsieur Kintaro 15 sur le jeu Super Castlevania 4 sur, bien entendu, Super Nintendo. Alors, sachant que je me suis un petit peu entraîné. Je vais pas vous cacher, je me suis un peu entraîné, mais je risque pas d'aller très loin, mais j'ai envie de dire, je participe juste pour le putain de fun. Le putain de fun. Tiens. Oh ! Ah, la salope ! Excusez-moi. C'est quoi ça déjà ? Ah ouais non, j'en veux pas. Ça c'est une... Ah mais non, ta mère, c'est Death. Oh. De les passer, mais... Oh les têtes de cheval. Ah.
je les avais oubliés. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Oh là là, cette esquive. Oh là 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 là, non, fous-moi la paix, fous-moi la paix, non. Fous-moi la paix, sale bête. Et d'ailleurs, en parlant de tête de cheval, monsieur Kintaro, il va falloir que je te montre ma tête de cheval. Oui, parce que j'ai pas l'impression de t'avoir déjà montré. J'ai un masque qui représente une tête de cheval. Hop. Hop. Ah, pour une fois que j'arrive full vie devant un boss. Par contre, le problème, c'est que j'ai ce putain de couteau à beurre. Oh, c'est de la chiasse. Non. Bon. Bah, bâtard. Oh, ta mère. C'est Death. Je l'ai eu? Ah non, pas encore. Ah, ah. Yes. Ah oui, vous avez vu, j'ai vraiment un niveau minable. Hein. J'ai plus que 4 points de vie. C'est quand même pas... Oh! Non mais... Dégage ta connerie de saloperie. Oh mais... Mais quoi? Le zombie t'es même pas sorti. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh c'est vraiment de la chiasse. Non, je déconne, en vrai c'est un excellent jeu. C'est... J'avais jamais testé. J'avais testé le premier. J'en ai vraiment chié, je trouve celui-là plus facile. C'est vraiment un excellent jeu. Autant graphiquement qu'au niveau de son gameplay, au niveau de sa musique, au niveau de sa direction artistique. Non, vraiment, c'est... Ouais, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Pour avoir eu cette très bonne idée d'organiser un concours... Ah, ta mère, toi. Ta mère. Putain. Putain. Je me fais harceler par une grenouille. Ah. Sûr que c'est une grenouille macroniste. Ouais, je te disais... Mr. Kintaro. C'est à cause de la putain de grenouille là, qui me suit pendant tout le niveau. Oh, putain. Bon, ouais. Oh, puis je reviens au départ, évidemment. Con qu'on n'a pas le droit au save state. Hein, non, on n'y a pas le droit, merde. Ouais, c'est vraiment une bonne idée de... D'avoir fait ce tournoi sur cet excellent jeu. Excusez-moi. J'ai vraiment, vraiment ta mère. J'ai vraiment ta mère. J'ai vraiment perdu l'habitude de dégager saloperie de corbeau. En vérité, j'ai pas trop eu le temps. Bon, allez, j'essaie de me concentrer, mais à mon avis, ça va être de la chiasse. Oh putain, Mario s'éclate. Tire-toi. Dégage. Non, salope. Ah. Mais voilà, comment est-ce qu'il peut... Évidemment, je reprends du début, oh là là. Et là, j'y suis. Bon. Oh là 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 là. Putain, mais vas-y, mais nique ta mère. Oh. Mais... Oh là 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 là. Ouais. Je crois que la limite, je me tuerais, ça serait pas plus mal. Mais bon. Ah là là là. Je marche. Oh non. Oh là 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 là, je me suis laissé envahir par ces putains de corbeaux de merde. Hop. Bon. Cette fois-ci, je vais essayer de pas faire trop de la chiasse. Hein. On va essayer en tout cas. Allez. Mais non, non, pourquoi est-ce que je fonce dessus, moi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Yes! Oh putain de merde. À un point de vie près. Ah, c'est totale découverte avec vous, là. Oh merde, j'avais pas vu ce con. Hop. Ah, mais... Ah, putain, les pointes. Je les ai complètement zappées. Ah ouais, faut que je monte là-haut. Encore que je monte. Alors, avec tous ces putains d'escaliers que j'ai à monter, là... Bah, vous savez quoi? Non! Putain, vous savez quoi, je suis qu'une merde. Vous savez quoi, je m'attends à un ennemi qui vole. Je sais pas pourquoi. Ah non, mais là, j'ai vraiment fait de la chiasse. En plus que si je réfléchis bien, au final, est-ce que je devais vraiment passer par là?
C'est marrant, moi, je le trouve pas si difficile, ce jeu. Je crois que c'est Vince Link qui m'avait dit que ce jeu était le moins difficile de la saga. Il me semble que tu l'avais dit, si tu regardes cette vidéo. Il me semble que tu m'avais dit ça. Que c'était le moins difficile. Alors, tous les cœurs qu'il nous donne, à mon avis, le boss... Merde, putain. Voilà, le truc que je fais pas attention aussi, c'est que des fois, je change d'arme. Oh, mais quoi? Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh là là, oh, putain. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui balance? Non, mais... Oh, putain. Ah, oh, je me suis fait niquer. Ah. Ouais, d'accord, bon. Bon, bah, écoutez... Cette vidéo va s'en arrêter là. Alors, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. J'espère avoir été pas trop mal par rapport à tout ce temps que j'ai passé sans tourner de vidéo. En sachant que si quelqu'un, à un moment donné, bah, repropose un défi de ce genre, eh bien, je serais ravi d'y participer en tout cas. Voilà. En tout cas, bah, Mister Kintaro 15, bah, j'espère que cette vidéo t'a bien plu. Bah, je te dis merci pour avoir organisé ce concours et ce tournoi, ce défi, comme on veut. Puis bon, bah, j'ai envie de dire, amuse-toi bien pendant le montage du bilan, quoi. Allez, bah, écoutez, bah, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Eh ben, une belle performance de notre Johnny John adoré. Franchement, je me suis... quand j'ai fait son montage et son best-of, j'étais mort de rire du début jusqu'à la fin. J'étais vraiment mort de rire du début jusqu'à la fin. Franchement, John, faut que tu reprennes les vidéos. Faut vraiment que tu reprennes les vidéos parce que t'as un truc, t'as un feeling, t'as un petit quelque chose que je trouve qui est sympathique dans ta voix, dans ta façon de t'exprimer, et je pense que ça cartonnerait du feu de Dieu. Et maintenant, on termine par le dernier participant, qui est Jerrican. Alors, vous avez vu que, pour les présenter tous les deux, bah, j'ai pas utilisé ma voix, j'ai utilisé un passage du concert de Dr. Dre, The Pink Smoke Tour, justement pour les trolls tous les deux, et bah, vous avez vu ce Johnny John qui a participé, et bah, vous allez avoir Jerrican avec sa run, qui est juste énorme. Bah, je vous laisse avec lui. Ciao, ciao. Tous les 100 ans, les forces du bien commencent à décliner, tandis que celles de Dracula ne cessent de croître de très fortes manières. Et chaque siècle, elle est encore plus grande. Mais malgré ses vies éternelles, il a chaque fois été battu et humilié par un membre de la famille d'Ebelmont. Il y a maintenant un siècle depuis la dernière confrontation entre Dracula et les Belmont. Mais la sérénité du royaume est à nouveau menacée par le mal incarné. Une nuit profonde, Dracula quitte son cimetière pour étendre sa force sur toute la Transylvanie. Une fois encore, Simon Belmont a été choisi pour combattre Dracula avec pour seule arme son courage et son fouet. Bonne chance, Simon! Bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le tournoi lancé par Mister Kintaro 15 sur un dénommé Super Castlevania 4 sur Super Nintendo. C'est avec grande joie que j'y participe. Ça fait belle lurette que je n'ai pas fait de vidéo. Ça c'est clair. Et sur le coup, ça m'a pas spécialement manqué parce que j'avais d'autres priorités derrière. Mais je me suis dit, tiens, il a repris le flambeau, le bougre. Alors tant qu'à faire,
Autant y songer et autant lancer une participation. Du coup, petite tour dans les options avant de commencer. Alors, ça c'est bon, il n'y a rien à faire. Particulièrement simple. Bien sûr, je laisse en stéréo et on lance la partie. Rien à dire. Encore une fois, c'est la grande classe. Tout simplement. On est dans le thème de Simon Belmont. Et c'est vraiment hyper Castlevania-esque. Encore une fois, c'est d'ailleurs la première apparition de ce thème à partir de cet épisode, qui est nul autre que Super Castlevania 4, qui est en particularité eh bien, le remake du tout premier sur NES. Hein. Ça, il faut le savoir. Et c'était vraiment une sacrée prouesse technique pour l'époque, hein, autant le dire tout de suite. Pour moi, c'est bien plus qu'une simple démonstration. Bien joué, ça fait deux fois que je me fais avoir. C'est bien plus qu'une simple démonstration, ce jeu, parce que en réalité, il était vraiment poussé par des gens qui en voulaient pour l'époque. Autant le dire tout de suite. Hop, hop là, ça c'est de la bonne esquive. Mais à l'époque, quand une console sortait, on faisait particulièrement pas mal de démos techniques, mais à l'époque aussi, on avait vraiment de sacrés jeux qui avaient la classe, notamment ce Super Castlevania 4, avec tout ce qui s'en est suivi derrière, hein, on avait vraiment plein de jeux dans la ludothèque de la machine à l'époque. Mais du coup, après, entre-temps, j'ai arrêté, et il y a Kintaro qui a repris le flambeau. Et je le remercie grandement pour ce qu'il a fait, parce que c'est toujours sympa comme ça de se faire des petits tournois, c'est toujours rigolo de se taper des petits instants comme ça, surtout que j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui participe, donc ça fait plaisir déjà. Et pour le but du tournoi, hein, chose que je n'ai pas expliqué, c'est d'aller le plus loin possible, si possible terminer le jeu sans atteindre le game over. Bien sûr, on a le droit de récupérer les upgrades, les vies supplémentaires, notamment par le biais du scoring, mais aussi les vies cachées. Et j'en connais un rayon là-dessus, parce que je connais pratiquement presque toutes, je dis bien pas toutes, mais presque, les phases cachées du jeu. Bref. Allez, Médusa, qui n'a d'ailleurs aucune classe dans cet épisode quand même. Je sais pas, elle a un gros bide. Elle est vraiment ratée au niveau du design, je trouve, mais bon, ça c'est une chose. Donc là, pareil, on retrouve un petit peu les préquels de la musique de Bloody Tears, par exemple. Avec des bandes-sons qu'on n'entend jamais ailleurs. Voilà. C'est pour ça que je dis que vraiment, ce jeu a une ambiance unique à lui, quoi, qui lui est propre. Tout simplement. J'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave, car il y a un petit poulet au-dessus. Merci les cœurs, c'était sympa. Ah oui, dans ce jeu aussi, la particularité, c'est qu'on peut faire du moonwalk. Voilà, la preuve. Et on peut faire de la merde aussi. Comme ça. Et oh, oh, oh. On va se calmer le corbac, là. De juice. Par contre, ici, j'ai souvent tendance à me casser la gueule. Parce que oui, vu que le scrolling monte, tout ce qu'il y a en bas est oubliette, est aux oubliettes, quoi. C'est-à-dire que tu tombes dans un trou directement, quoi. Pour le jeu, ça devient un précipice. Allez, c'est parti. Donc, on va abuser des croix. Hein. Hop. Alors, ça rame, évidemment, parce qu'ils ont fait plein d'effets avec l'ennemi. Vous voyez, hein, il y a des effets de distorsion, de déformation. Qu'est-ce que tu veux, quoi. Et dans l'ensemble, ça reste parfaitement jouable. Alors, je me fais pas chier, ça passe. Ah, par contre, j'avais complètement zappé que on pouvait détruire ces projectiles. Comme quoi, on en réapprend tous les jours. Faut bien réétudier ces grands classiques, putain de sa mère. Je rappelle que Simon ne sait pas nager, voilà. Il était pas vu. Hein. Allez, petite tête de la victoire qui fait plaisir. Et dans l'ensemble, ça passe. Alors ici, attention, le petit squelette fourbe qui peut nous faire directement dégager s'il nous touche. Faut qu'il dégage. Ah, ici, petite astuce, mais je promets pas de réussir. On donne un coup au boss et on se frappe au-dessus. Comme ça. Voilà, vous voyez. Alors, évidemment, il m'a touché avec sa langue, le bubush. Nardine. Bon, je fais de la merde, c'est pas grave. J'ai perdu le fil, là. Voilà, ça passe tout seul. Alors, j'ai été touché deux fois, mais c'est pas grave. Ou trois fois. J'avoue, j'ai pas compté. Bon, allez. Le couple danseur. Ah, par contre, lui, il peut faire très mal si tu l'anticipes mal. Faut qu'on danse comme ça, hein. c'est pratique. Lors d'un mariage, par exemple. Voilà, parfait, ça passe. Enfin, je l'ai plutôt bien enchaîné, ça va. Pareil, hein, j'aimais bien l'effet qu'ils ont fait avec le fond. Une sorte de podium rouleur, en fait. L'équipe s'appelait la Team YouTube. Et à l'époque, on s'organisait comme ça des tournois entre potes. On se marrait vachement. C'était surtout du... Putain, ta mère. C'était surtout sur du Street Fighter, généralement. Restez loin de lui. Bon, on va pas s'embêter. Là, je peux toucher, là. Ouais. Et, bien joué.
Et il dégaine son épée. Cassos. <T'as bien. rire> Pas grave. Bon bah jamais 203. C'est parti. Il est pas dur. Enfin, je dis ça mais il m'a niqué tout à l'heure. J'aurais pu attaquer deux fois. Ok, deuxième forme. C'est rien. C'est pas imperfect, mais ça passe. Et ben voilà. C'était ici que j'avais du mal à l'époque. Là, ça va, c'est passé. À chaque fois, je ne calculais jamais les pics. On va en abuser. Alors, j'ai que le... J'ai pas le 2 ni le 3, donc... je peux balancer qu'une seule fois. Là. Voilà, parfait. Parfait. Bon, ouais, évidemment, comme vous voyez, ne pas hésiter à se servir des armes secondaires. Donc, surtout dans cet épisode-là, ça sert vachement. Comme tous les épisodes, d'ailleurs. C'était classe, quand même, cette mélodie. Hein. Encore une fois, excellentissime OST. Et ça a duré longtemps, quand même, malgré la mémoire de la cartouche. Ils arrivaient à en faire pas mal. Alors ici, par contre, attention... Ne pas hésiter à se servir de l'arme secondaire, vous allez comprendre pourquoi. Non, pas comme ça. Et voilà, pourquoi j'ai fait de la merde. J'ai lancé trop tôt. Ça rappelle le bon vieux temps. Allez, c'est parti. Évidemment, ça rame un peu. Ah, par contre, celle-là, j'ai jamais su l'esquiver au niveau de ses charges. Parce qu'à un moment donné, elle va nous charger. Comme là, regarde, hop, voilà, tu vois, j'arrive pas à l'esquiver. Dès qu'elle s'arrête, faut vite fuir, mais j'y arrive jamais. Que je bourrine et ça passe. Vous voyez, dès qu'on la touche, elle nous balance des projectiles sur le côté. Même quand elle t'a les petites. Attends, par contre là. Ah, mais bon. Connasse. Et elle nous balance des pièces d'or parce que ça fait mal les pièces d'or. Oh, c'est beau le retour des croix. C'est pas mal ça. C'est le genre de truc que j'aime. Voilà, j'ai toutes les trois touchées. Bien joué. Connasse. Eh ben voilà, les deux en même temps. J'ai pas fait de strike parce que des fois il m'était arrivé de tuer les trois en même temps. J'ai pas tout à voir non plus. Bon bah maintenant c'est la tour de l'horloge. On approche de la fin. Hein. Niqué. J'ai ramassé cette merde. Le jeu est en train de me faire un fuck, je crois. Ça baisse, rien de bien compliqué. Ouais, okay. C'est pas compliqué, évidemment. Hein. Très joli décor ici, avec le ciel là, comme ça. Là. Je trouve ça vraiment réussi. Bon, le boss n'est pas dur. Hein. Il a l'air même con à force de toucher comme ça. On dirait un belge. Allez. Est-ce que je le touche avec la peau? Ah oui, on peut. On reste comme ça. Tant qu'à faire. Voilà, parfait. Il va popper au milieu, je parie. Eh oui. Hop. Bah voilà. Alors ça m'est déjà arrivé de me casser la gueule en bas, là, quand je l'ai tué. On va pas refaire la même connerie. Parfait. Voilà, faut vite y aller. Vite y aller, j'ai dit. Avant que la scie arrive. La scie à bon. Hein? J'ai rien vu. Je t'avoue, j'ai... Quoi? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. C'était des pics, non? C'est pas l'adrénaline, c'est la grenadine. Lol, PTDR. L'adrénaline. Bien joué. Y a pas un truc là. Non. Normalement la scie ne peut plus nous rattraper. Hein. Hop. Mais y avait pas de plateforme en bas.
Vous l'avez bien vu, il n'y avait pas de plateforme en bas, je fais comment? Oh putain, ça sent la fin là. Aïe 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 aïe. Pas un poulet, mais voilà quoi. Attends, voyons bien ce qui se passe. Non, pas sur les escaliers. Eh, cette fois-ci, ça passe là. Hein. Voilà, là, il y a une plateforme. Voilà. On est passé. On est passé, mais ça va être chaud là. Les boss. Avec une vie, Ah là 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 là, ça va être chaud. Oh, puis c'est la gargouille. Là. Ah, j'étais abaissé. Allez, deuxième forme. Non, pas encore. Voilà, deuxième forme. Et là, il va faire très mal. Putain, ça sent la fin. Ça sent la fin, les mecs. Casse-toi. Non, trop tard! C'est bon. On me charge, con. Dernière vie! Bien! Bon, ben voilà, c'est la fin. Voilà, c'est fini pour moi. Dommage. Parce que si j'aurais vaincu ce boss, j'aurais récupéré de la vie, en fait. Ça aurait pu s'enchaîner. Mais avec zéro vie, c'était chaud. C'était chaud. J'ai vraiment tout merdé au moment de l'épreuve de la scie circulaire, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je suis déjà allé jusque-là. On n'aura pas vu Dracula. Mais c'est déjà même très très bien d'avoir été jusque-là. Voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie Kintaro pour le lancement de ce tournoi. Tiens, pour mettre un petit fond. On va laisser ça comme ça. On n'était pas loin, on était arrivé dans la tour de Dracula, ça c'est sûr. Mais tant pis pour moi. C'est la vie, c'est comme ça. Qui sait, peut-être un jour une revanche. Si jamais Kintaro décidera de faire un tournoi level 2. Et pourquoi pas cette fois-ci en New Game Plus, ce serait encore plus intéressant. Qui sait, ça serait bien marrant. Bon allez, sur ce, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Portez-vous bien. Salut! Et voilà, c'est ainsi que se termine ce tournoi Intertester. Vous avez quand même été assez nombreux, vous avez été quand même 12 à y participer, je vous remercie énormément. Quand j'ai lancé ce tournoi, j'ai dit « Oh, il va y avoir 3, 4, allez, 5 personnes ». Et vous avez été répondu nombreux, il y a eu des personnes, il y a eu un peu de bouche à oreille, il y a eu des personnes qui vous ont invité, et c'était vraiment super. J'ai rencontré des gens super sympas, comme Mr. Egg, Jack Slate, Serac Econo. D'autres personnes que je côtoyais un peu mais que j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment intéressé, comme Lightjack. Il y a eu les bros, Jerry Khan, Johnny John, Erlia, Elira qui a participé, Brice TV et AG, et plein d'autres et plein d'autres. Et franchement en fait, alors vous allez avoir le classement qui va arriver là, mais franchement en fait il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Pour moi, ce tournoi Intertester, c'est surtout du partage et de l'entraide et de l'amusement. C'est le principal, c'est ce qui se perd sur YouTube à l'heure actuelle, ça se perd énormément ça, au profit de la célébrité et du m'as-tu vu. On oublie qu'on a la même passion et que le principal c'est surtout qu'on ait la même passion et qu'on partage notre passion. Bon mais en tout cas, je vous dis un énorme merci à vous tous d'avoir participé à ce tournoi. Il y en aura d'autres, puisque ce que faisait Vince Link, du 59 sur sa chaîne, et ben je reprends le flambeau. J'ai une petite idée. Alors après les tournois, je vous avertirai, mais il se peut que ce soit un par an. Parce que je vous avoue une chose, le montage, c'est très 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 long à faire. Très 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 long. J'y ai, je crois, de passer 2-3 jours dessus. Et c'est mon tout premier, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, on en aura d'autres. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'il y aura aussi des nouveaux qui viendront y participer. Comme j'ai dit, le principal, c'est qu'on s'amuse et qu'on s'éclate. C'est pas de savoir qui est le plus fort, qui est le meilleur, et ainsi de suite. C'est juste le partage. Et le plaisir avant tout. En tout cas, c'était Mr. Kintaro 15 pour le Kintaro Video Game. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tournoi. Ciao, bye bye tout le monde.